C'est un sentiment de satisfaction qui habite désormais ces hommes et femmes. Ils ont reçu des mains du juriste Obama lui-même leur passeport, certificat de nationalité, tout comme ces mères qui sont venues récupérer les actes de naissance de leurs enfants. Des documents qui leur permettront d'inscrire ces enfants à l'école alors que la rentrée des classes a débuté depuis le 2 septembre dernier. J'avais du mal de d'inscrire l'enfant à l'école. Dieu merci. Je n'ai même pas fait j'ai même pas atteint 2 mois, j'ai reçu mon document. Oui, à la naissance, il n'avait pas d'acte de naissance, mais on m'a signalé qu'il y a un cabinet Maître Obama, je suis passée. Bon, on m'a demandé les pièces à fournir, tout cela, j'ai fourni les pièces et je suis en sortie aujourd'hui. Voilà le résultat. Des documents qui permettent à ces Gabonais de vivre pleinement leur citoyenneté. Un événement qui coïncide avec la rentrée juridique des activités du cabinet qui a tenu à remercier tous les acteurs dans l'ombre. Et nous voulons véritablement remercier ces magistrats et greffiers en or et républicains parce qu'ils ont vite compris la nécessité, n'est-ce pas, de restaurer la dignité des Gabonais. Nous n'allons pas également oublier ce qui est fait par nos OPJ et surtout au CEDOC. Pour Maître Jeff Obamuzui, la présence des hommes d'église est fondamentale. Il faut toujours impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons. Je crois que le cabinet Obama aujourd'hui, qui est la maître de la République qui sert les Gabonais, travaille pour le peuple. Et quand on parle du peuple, Dieu n'est pas loin de là. Cet acte est un acte de générosité, est un acte de joie. Parce que Dieu, qui nous donne l'intelligence, a permis à M. Obama de se donner pour réaliser un grand projet. Ce projet qui n'est tout autre d'aider toutes ces familles à pouvoir obtenir des jugements. En possession de ces pièces d'état civil, les intéressés inscrivent leur nom désormais dans le registre des Gabonais à part entière.